L'affaire Delon suscite une profonde inquiétude parmi les proches et les admirateurs de la star. Le mercredi 5 juillet 2023, Anthony, Anouka et Alain Fabien Delon ont déposé une plainte contre Iromi Rolin. Par la suite, Alain Delon a également engagé des poursuites contre sa dame de compagnie, l'accusant de violence volontaire envers une personne vulnérable, de harcèlement moral, d'abus de faiblesse, de séquestration sur une personne vulnérable et de cruauté envers un animal. Bernard Montiel, proche d'Alain Delon, n'a plus eu de nouvelles de lui depuis 2 ans. En effet, son ami ne répond plus à ses messages. Lors d'une interview accordée aux Parisiens le jeudi 6 juillet 2023, Bernard Montiel a exprimé sa tristesse en déclarant « C'est très triste, mais je ne suis pas du tout surpris. Cela devait arriver depuis longtemps, même avant son AVC. Tous ses proches en étaient conscients. » En évoquant leur amitié, l'animateur a expliqué « Nous étions très proches avec Alain, il est venu passer des vacances chez moi. Ensuite, il a passé beaucoup de temps en Suisse, nous nous sommes moins vus, c'est la vie. Cependant, nous n'avons jamais coupé les liens, nous nous téléphonions et je n'ai jamais manqué de lui souhaiter un joyeux anniversaire depuis plus de 20 ans. Cependant, l'année dernière en novembre, il n'a pas répondu à mes messages. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il se passait quelque chose d'anormal », a ajouté Bernard Montiel. Lorsqu'il a été interrogé à propos de Iromi Rolin, Bernard Montiel a décrit une femme « très forte de caractère » qui travaillerait pour l'acteur depuis de nombreuses années. Il a également mentionné que même Mireille Darc, à l'époque, lui en parlait comme d'une personne qui apportait son aide à Alain Delon. Au cours de cette entrevue, Bernard Montiel a néanmoins estimé qu'il était « normal » qu'après tant de temps, Iromi Rolin gagne en importance dans la vie de son ami. Surtout depuis qu'il a été affaibli par la maladie, a-t-il glissé, avant d'ajouter, cependant, le fait qu'elle soit si présente, qu'elle contrôle tout, est très préoccupant et inquiétant. Même si je ne suis pas dans son intimité, j'ai été extrêmement surpris d'apprendre qu'elle se présentait comme sa compagne, car à ma connaissance, cela n'a jamais été le cas. Inquiet pour son ami, Bernard Montiel a ajouté, Alain Delon, qui ne donne plus de nouvelles, qui ne répond plus au téléphone, ce n'est pas lui. Il est vraiment important que ses enfants aient entamé cette procédure.